Les éditions Sixtride, avec l'aimable autorisation des éditions de l'Olivier, présentent Le cœur blanc de Catherine Poulain, interprété par Catherine Gauthier. Les champs étaient nus et s'étendaient jusqu'aux sombres limites du ciel. Ahmed rentrait sur sa mobilette, le cou entre les épaules, un bonnet ramené bas sur les yeux, ses lourdes chaussures gorgées d'eau. Le fils du patron, un adolescent aux cils de jeune fille, n'avait pas détourné le jet du karcher quand il avait croisé Ahmed qui nettoyait la calibreuse à asperges. Sans un mot d'excuse, il avait continué, traçant son passage entre les Marocains qui charriaient les caisses. La fille aux cheveux rouges l'avait évité de justesse. Si maigre et jeune, la fille, ses traits creusés sous le mauvais néon, cet air inquiet mais qu'est ce qu'elle foutait là? Ils avaient traversé encore longtemps dans les courants d'air et le froid du hangar, curé le sol, chargé les caisses enfin sur le camion. Vous pouvez y aller. Demain six heures. Demain serait dimanche, et c'était trop tard pour le pain. Mais allez. On a l'habitude, après huit ans à trimer sur leur terre, dans leurs champ, pour leur fric, pour sa croûte. La fille, elle, rentrait dans une caravane abritée sous des cyprès. Trop fatiguée, envie de pleurer. Bien sûr qu'elle n'était pas de taille parmi ces Marocains silencieux, courbés au-dessus des buttes qui jamais ne cessaient d'avancer. Et elle, loin derrière, qui tentait de les rattraper. Ça l'a tourmentée le jour et la nuit. Elle ne tiendrait pas la saison. Le grand rouquin partait au bar avec son père. Il avait nettoyé tant bien que mal ses ongles incrustés de cambouis. Le père pas. Pourquoi faire Demain serait bien assez vite. L'apéro. Puis l'apéro. Et encore l'apéro. Jusqu'à plus soif. Mais pour le père, cela n'existait pas plus soif. C'est la vie, il disait. Jusqu'au soir jusqu'à s'écrouler sur son lit. La nuit, la fille rêvait aux asperges qu'elle voyait défiler sur le tapis roulant de la calibreuse, un film qui tournait en boucle. Elles étaient tellement sales, les asperges. On avait beau les laver, elles restaient sales. Il fallait sans cesse laver et creuser, et creuser encore, et creuser toujours dans l'argile noire. Les hommes sombres avançaient dans les terres, le front obstinément tourné vers le sol, si bien que l'on ne distinguait jamais leur visage. Des hommes de l'ombre. Mais quelle vie Quelle vie Elle murmurait dans une mélopée qui la réveillait. Et déjà, c'était le matin et l'heure d'y retourner. Ahmed se levait dans une aube grise. Il avait plu pendant la nuit. Une lueur blanchâtre semblait sourdre de la brume, de l'horizon peut-être, mais comment savoir, le ciel et les champs ne faisaient qu'un. À nouveau, le sol serait détrempé. La terre colorait à la gouge, aux asperges qu'elle rendrait cassantes, aux seaux et aux pieds qui pèseraient des tonnes. Ahmed se raclait la gorge, craché par la fenêtre du préfabriqué qu'il refermait très vite. Le gars déjeunait en allumant sa première gitane. On annonçait à la radio l'arrivée au pouvoir d'un président au Portugal et les fruits tardifs d'une révolution très lointaine. Il s'en foutait, le gars. Le père ouvrait un œil vitreux. « Grouille !» disait le fils. Ça va être l'heure. Mal de tronche son vieux, langue épaisse, bouche pâteuse, avec ce goût de viande avariée. Ça leur serait bien égal, son haleine aux machines de toute façon, et le fils qui y voyait clair, lui, saurait l'aider. Presque aussi bon que lui aujourd'hui, le fils. Ça allait faire un sacré mécano, comme lui, avant. Et la fille? La rousse, petit casque de feu qui déjà se voyait ployé sous un ciel trop bas. Est-ce que je vais tenir aujourd'hui encore La terre sera grasse et collante. Le patron enverra son fils, garde-chiourme aux paupières de femme, douce et ombrée de très longs cils. Il y aura les aboiements des contremaîtres dans les champs voisins, des feignants, enculés, qui s'entendront jusqu'à très loin dans les terres. Et le patron viendra pisser près d'elle lorsqu'elle aura le front baissé sur la butte, elle aura peur d'être à la traîne encore, de briser une asperge en l'extirpant de l'argile trop compacte. Une fois de plus, elle détournera les yeux pour ne pas voir la bite qu'il secoura avec un étrange sourire. Les ouvriers continueront d'avancer en un peloton silencieux et fier. Elle derrière a peiné et a caché ses larmes. Les joues barbouillées de terre et de morve. Des merles chantaient dans les saules. Les asperges, petits pénis pâles, pointés le long des buts, pousser, grandir, voir le jour, et on les exécuterait bientôt, d'un coup de gouge bref et précis. Le printemps était proche. Bientôt, le sifflement long des hirondelles viendrait ponctuer les heures trop lourdes, sa joie quand la journée finie, elle relèverait enfin la tête. Elle saurait qu'elle avait tenu bon. Elle écarterait les bras dès qu'elle se sentirait loin des regards, et tirerait ce corps trop léger. Elle voudrait courir, mais n'en aurait plus la force. C'est ma vie, elle pensa. C'est là, et ça va vers une fin. Ce n'est plus le début, et pourtant le début, c'était, c'est encore, presque là. Dehors, les arbres tremblent au vent, et la fatigue me cloue au sol. Le ciel est immense au-dessus des terres.